pour acte d'enquête qui était ouvert dans l'inspection générale pour mois novembre, il était au nombre de 55. Nous gagnons 32 plaintes, 19 rapports internes de la PNH, 4 saisines d'office. Nous avons gagné 214 convocations et invitations qui étaient faites. Nous avons gagné 130 auditions entre mise en cause et plaignants. 90 confrontations, 23 mesures d'enquête, missions d'enquête, 8 médiations, 3 rétentions de chèques, 6 mesures conservatoires, 4 levées de mesures conservatoires, 4 attestations, 2 isolements, 2 levées d'isolement, ce qui donne un total de 488 dossiers qui étaient traités, alors actes d'enquête qui étaient réalisés dans l'inspection générale. Ensemble de dossiers qui étaient traités par l'inspection générale dans l'intervalle janvier à novembre, c'est en juillet qu'il y a plus de recommandations qui étaient faites à la direction générale. Et quantité de dossiers qui étaient traités de janvier à novembre 2020, était au nombre de 314. Ensemble de recommandations qui étaient faites suite au dossier d'enquête, nous avons gagné 3 renvois, 3 révocations, une mise en disponibilité, 11 suspensions, 26 dossiers qui étaient classés, nous avons gagné 24 avis aux plaignants, tu as gagné un dossier restant ouvert jusqu'à la majorité de l'enfant, c'est 6. Tu as gagné un dossier envoyé au tribunal de première instance, 2. Autres conseils, redressement, préconisation, c'est 1. Ça te bail un total de 74 recommandations qui étaient faites suite à enquête qui était menée. Maintenant, motif recommandation ça yo pour renvoi, c'est assassinat et association de malfaiteurs. Pour dossier recommandation sous disponibilité, c'est homicide. Motif pour 11 recommandations de suspension, c'est poursuivi de blessures et mauvais traitements, 2. Agression physique, 2. Violence, 2. Homicide, 4. Et menace suivie de tir injustifié, c'est 1.